Dimanche midi, Charles et Joséphine Conrad ont célébré leurs 60 ans de mariage au chalet des Trois Hêtres. À cette occasion, toute leur famille s'était réunie pour partager avec eux ce bel événement et fêter comme il se doit leur noce de diamant. Monsieur Fournier, maire de Rombas, accompagné de Charles Risser, Thierry Saudry et Véronica Wagner, faisait également partie de la réception. Après un bref discours évoquant les aléas d'une vie de couple, les époux Conrad se sont vus remettre quelques présents. Mais revenons maintenant sur leur parcours. Charles et Joséphine se sont rencontrés dans un bal à Walschbrunn, leur ville natale, et se sont mariés 2 ans après, le 19 octobre 1951. De cette belle union est née 4 enfants et leur famille n'a cessé de s'agrandir puisqu'ils ont 8 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants qui font tout leur bonheur de grands-parents. Charles a travaillé pendant 40 ans en tant que forgeron à Agondange et faisait également partie des porte-drapeaux de l'association Malgré nous, dont il est toujours membre aujourd'hui. Il a reçu 2 médailles, une militaire et l'autre du travail. Il a pris sa retraite en 1981, après toutes ces années de bons et loyaux services, et profite maintenant pleinement de sa famille. Joséphine, quant à elle, a élevé et éduqué ses 4 garçons et fait toujours partie du club ambiance de Rombas. Un beau parcours qui mérite d'être souligné. Félicitations donc aux époux et encore beaucoup de bonheur pour les années à venir.